Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch pour dupliquer les camouflages de vos classes sur d'autres classes sur Call of Duty Vanguard. Alors pour l'instant en zombie ça ne fonctionne pas parce que quand vous faites copier et remplacer sur une autre classe, le truc ne fonctionne pas. Donc je pense que c'est un bug de chez Treyarch, mais quand ça fonctionnera, le glitch fonctionnera bien sûr en zombie. Donc là, je vais vous le présenter en multijoueur et ça va vous permettre de débloquer, de dupliquer toutes les classes avec les camouflages, par exemple, or, diamant ou tout autre camouflage à part l'atomique. Parce que si vous avez débloqué le camouflage atomique ou les terres noires en zombie, ben, ça veut dire que vous avez débloqué tous les camouflages du jeu. Donc le seul camouflage que vous n'allez pas pouvoir dupliquer, c'est le camouflage Dark Matter. Alors par contre, regardez, ici moi j'ai déjà dupliqué trois classes. Donc là, j'ai le camouflage or du zombie sur trois classes de mes armes que je n'ai pas joué. Regardez, celle-ci, elle est niveau 14, celle-ci, elle est niveau 1 et j'ai déjà le camouflage. Tout simplement parce que j'ai dupliqué le camouflage. Alors, pour ce faire, bien entendu, il vous faudra au moins au préalable avoir débloqué le camouflage en question. Donc si vous voulez débloquer le camouflage diamant, il faudra l'avoir déjà débloqué parce que c'est une duplication de quelque chose que vous avez déjà débloqué. Donc si vous n'avez pas débloqué, vous ne pouvez pas débloquer le camouflage. Donc là par exemple, je vais créer une classe que je vais appeler duplication. Donc je vais ici, je vais sur une arme que j'ai déjà level up au maximum, que j'ai déjà débloqué des camouflages. Donc là je vais dans le camouflage, là je vais dupliquer un camouflage zombie, mais ça fonctionnerait avec tous les camouflages si je les aurais débloqués. Mais moi, je les ai pas débloqués en multijoueur parce que je joue pas en multi, mais je joue en zombie. Donc là, je vais sur un camouflage que j'ai débloqué. Je pourrais choisir n'importe lequel, comme je les ai tous débloqués à part le diamant et les terres noires. Ben, je vais sur celui de la vipère d'or, donc celui en or pour le zombie. Ensuite, je fais rond. J'ai sélectionné le camouflage, c'est bon. Là, je vais renommer la classe. Je vais l'appeler dupli pour dupliquer. Voilà, j'accepte. Ok, donc là à ce moment là il vous faudra une souris, c'est très important. Si vous n'avez pas de souris, ça ne fonctionnera pas. Je précise que ce glitch fonctionne sur PC, Xbox et PS4, PS5, etc. Donc ça fonctionne sur toutes les plateformes. Donc là j'ai ma classe duplication. Ce que je veux, par exemple cette classe elle n'a pas le camouflage, je vais sur cette classe, je fais copier et remplacer, enfin je clique droit sur la classe, j'ai ce petit encadrement qui s'affiche. Et là ce que je fais, c'est que je vais sur la droite et je fais un mouvement avec ma souris pour que l'encadrement ne s'efface pas quand je vais toucher avec ma manette, parce que là je vais me déplacer sur la case dupli. Voilà, je me déplace avec mes flèches, très important, pas l'analogue. Ensuite je vais sur dupli. Là regardez, j'ai pas été assez en fait je bougeais pas assez, donc ça va pas marcher, donc je vais recommencer. Donc je vais sur la classe que j'ai envie que le camouflage soit, je vais cliquer droit, ensuite je bouge avec la souris, je descends sur dupli, j'appuie sur X, je bouge toujours avec la souris tout le temps. Ensuite je vais dans armurerie, ensuite je vais dans personnalisation, camouflage, et là je fais avec ma souris copier et remplacer et je choisis dupli. Ensuite je vais sur le camouflage que j'ai envie de débloquer, donc dans zombie, je vais sur érudit. Regardez là j'ai le pompe, dès que je vais aller dans le camouflage érudit, ça va changer mon arme, donc l'arme que j'ai envie de dupliquer là, l'arme que j'ai envie d'avoir le camouflage dessus, regardez, j'appuie sur X, boum, ça me met le sniper. Donc là, regardez, pour débloquer le vipère d'or, ben, il faut que je fasse en zombie, tuer 10 zombies, blablabla. Là, il est bloqué. On voit bien que je dois réaliser le défi pour le débloquer. Mais je n'ai pas le petit cadenas en bas à gauche. Donc ça veut dire que là, je peux me l'équiper, hop. Ensuite, je fais rond. Et là, regardez ma quatrième classe maintenant. Ah non, ma quatrième classe, elle est ici. Voilà. Donc là, j'ai le sniper avec le camouflage. Donc ça a remplacé bien entendu la classe duplication que j'avais faite. Donc si je veux qu'elle soit en quatrième classe, je fais copier-coller et je la mets en quatrième place. Comme ça, hop, je la retrouve en quatrième place. Alors si maintenant je veux refaire le glitch, je retourne ici, je recrée une classe duplication, je vais sur le pompe, je choisis... Attendez, on va choisir un autre... Une autre... attendez, donc là, la classe 5, c'est le pompe. STG. On va créer une classe que j'ai une arme de niveau 1. Donc par exemple la M1928. Voilà. J'ai niveau 1, j'ai aucun camouflage de débloqué. Vous pouvez voir, zéro camouflage de débloqué. Normal, je suis niveau 1 de l'arme. Je vais aller sur une arme que j'ai montée un peu en multi. Je pense que j'ai monté la MP40. Voilà. Je vais aller dans personnalisation. Je vais choisir un camouflage. Par exemple,
Ben celui-là, je choisis ce camouflage. Donc là, je vous montre que ça fonctionne bien avec tous les camouflages. Hop, maintenant que j'ai sélectionné mon camouflage, je prends ma souris. Je vais sur la classe que je veux, le camouflage. Donc là, c'est la M1928. Je clique droit sur la classe. Je vais à droite avec ma souris. Je tourne en rond, je tourne en rond. Je retourne sur la classe duplication. Donc là, je ne l'ai pas renommée, mais voilà, c'était la classe personnalisée 4. On voit bien l'MP40 avec le camouflage. Donc j'appuie sur X, je tourne toujours avec la souris, je vais dans armurerie, dans personnalisation, je vais dans camouflage, et là je fais copier et remplacer par la classe personnalisée 4. Hop, maintenant je vais dans le camouflage celui-ci, et hop, regardez, je peux m'équiper du camouflage sur l'arme M1920, attends, non, M1928. Donc là j'ai bien débloqué le camouflage sur la M1928, or que je ne l'ai pas débloqué en temps normal. Donc ce que je fais, c'est que comme je ne l'ai pas en classe 5 et je voulais l'avoir en classe 5, je fais copier, coller, hop, et maintenant je la retrouve en cinquième position. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, yummy, yummy.